je vais t'expliquer comment on peut utiliser le poncho différemment pour les petits bébés qui sont en coquille. Donc la première chose à faire, très important, on retire le capuchon. Le capuchon est un petit peu grand pour les tout petits bébés naissants, donc c'est préférable de retirer le capuchon et de mettre une tuque au petit bébé. Puis en plus, ben, ça va mieux garder leur chaleur. Donc on enlève le capuchon, puis au lieu d'utiliser le poncho de la façon traditionnelle, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est l'arrière, au lieu de l'utiliser comme ça, et d'avoir beaucoup de tissu à l'arrière, on va tourner le poncho. Donc on va attacher la section du milieu. Et on va plutôt passer la tête dans une extrémité du poncho. Un ou l'autre des côtés, ça ne dérange pas. Donc à peu près au troisième snap, on vient détacher. On peut en détacher deux, trois autres, ça ne dérange pas. Fait que ça nous laisse une petite ouverture ici, puis on a une petite section qui va être derrière la tête du bébé. On passe la tête, comme ça, tout simplement, et on a beaucoup, beaucoup moins de tissu à l'arrière. C'est sûr que ça fait beaucoup de tissu du poncho, donc bien évidemment, on va venir placer le poncho en dessous des petits pieds de bébé, puis on peut venir le recouvrir. Bon, c'est sûr que mon bébé, il est vraiment tout petit. J'essaie de faire ça vite pour la vidéo, mais on vient l'emmitoufler dans son poncho. Fait que comme ça, bébé va être bien au chaud. Ça fait comme une grosse houlou pour bébé. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le poncho comme une housse. Donc, si on attache bébé dans sa coquille, puis finalement, ben, il s'endort, on n'ose pas le réveiller, on n'ose pas installer le poncho, ben, au centre du poncho, on peut détacher l'équivalent d'à peu près 4 snaps. On dépose le poncho comme ça sur la coquille. On se laisse une petite ouverture pour prendre la poignée. Et hop, on peut s'en aller. Le poncho vient recouvrir au complet la coquille. Fait comme ça. Oups. Comme ça, bébé est prêt au chaud dans son poncho. Une fois qu'on arrive dans l'auto, très important, on fait juste enlever le poncho. On n'a rien besoin de détacher, rien besoin de défaire. Puis, on peut laisser bébé faire dodo.